le général Hiver et son armée de glace viennent d'envahir la Sibérie. Partout, les hommes luttent contre le froid extrême. Celui-là tente de garder praticable la seule ligne de vie qui mène à des villages isolés. Ils sont situés dans l'une des régions les plus froides du monde, à quelques encablures du cercle polaire, la Yakoutie. Un désert de glace, grand comme 5 fois la France. L'hiver, quasiment toutes les routes sont fermées. Sans le courage des convoyeurs, des milliers d'habitants se trouveraient isolés pendant de longs mois. Par moins 40, c'est très dangereux d'être seul sur cette route. Moins 40 quand tout va bien. Une année, le thermomètre a chuté à moins 71 degrés. Tu peux pas survivre ici si tu sais pas faire. À moins 45, les téléphones cessent de fonctionner. Les verres de lunettes se fissurent, alors mieux vaut connaître son chemin. Sauf qu'au milieu de la taïga, la neige fait disparaître les pistes. Ah mince, je suis perdu. Là, on a un problème. Avec moins d'un habitant au kilomètre carré, les secours mettent des jours à arriver. Sans entraide, personne ne survit. Yakoutie est le pays de tous les extrêmes. La Léna, le grand fleuve qui traverse la région, est figé dans la glace. Seul Yakoutsk, la capitale de la Yakoutie, résiste tant bien que mal aux assauts de l'hiver. Si les 150 000 habitants ont appris à dompter le froid, il reste un problème, et pas des moindres. Le ravitaillement de la ville. À partir de fin novembre, peu de routes restent ouvertes. Quant à la glace qui recouvre la Léna, elle est encore trop fragile pour supporter les poids lourds. Les marchandises arrivent donc par avion ou avec le courage de quelques intrépides qui ignorent les interdictions. Nous sommes début novembre. La glace atteint tout juste 25 cm d'épaisseur. Et il en faut 10 de plus pour être en sécurité. Alors pour éviter qu'elle ne se brise, les conducteurs roulent à vive allure. Ils diminuent ainsi la pression sur la glace. Mara est de ceux qui bravent le danger. Le risque, c'est de passer au travers et faire couler ce qu'on a de plus précieux, sa voiture. C'est illégal. C'est officieux. Parce qu'ici, il n'y a pas de route. Ce sont les gens qui la font eux-mêmes pour passer. Tout le monde y va. Le besoin nous force. La route se trace au fur et à mesure des passages. Mais le danger ne vient pas forcément de la fragilité de la glace. Il est plus insidieux. Au milieu du fleuve gelé, se trouvent plusieurs petits îlots de terre ferme. Enfin, ferme, pas vraiment. Composées de sable, les voitures s'y enlisent comme dans la boue. Des petits malins sont aux aguets. En cette période,
Ils ont de quoi se faire pas mal d'argent. Ce conducteur leur demande de l'aide. €7, c'est cher. Très cher. Le salaire moyen plafonne à 850 euros par mois. Mais quand le thermomètre indique moins 38 degrés, les conducteurs n'ont pas d'autre choix que de s'adresser à ces opportunistes. Eux, ils sont contents et nous aussi. On se fait un peu d'argent. En général, les gens sont sympas. Mais on peut aussi tomber sur ceux qui rouspètent. Et ils sont nombreux. Les voyageurs soupçonnent ces dépanneurs occasionnels d'entretenir le piège. Regardez-les, je suis sûr qu'ils ont roulé exprès ici pour que les gens s'embourbent. Et après, ils empochent les sous. C'est pas bien. Il faut s'entraider. 7 euros, c'est trop cher. Mara ne laisse personne sur le bas-côté. Il sait très bien qu'un jour, il pourrait se retrouver à leur place. En une demi-heure, les deux voitures sont sorties du bourbier. Il faut dire que Mara a une solide expérience de la galère. L'homme est convoyeur. Il se rend dans les faubourgs de Yakoutsk, préparer une expédition extrêmement dangereuse. Mara et ses quelques intrépides vont tenter de désenclaver un petit village perdu dans le Grand Nord. Grigori est le chef de cette expédition. Un voyage à haut risque, dont certains ne sont jamais revenus. Alors les engins sont soigneusement bichonnés. Juste avant de partir, le châssis du camion a cassé. Donc on a enlevé le châssis, on en a mis un autre. Et en plus, nous avons fabriqué ces renforts en acier assemblés à la main. Là, ils sont top. Parce que vous savez, des routes, on n'en a pas. On n'a que des directions. Au milieu de nulle part, une panne peut être fatale. Chaque voiture est renforcée. Mara double les pare-brises du 4x4 pour limiter le givre et couvre les moteurs de couverture. On ne peut pas partir sans ces protections. Parce qu'en dessous de moins 30, moins 40 degrés, la voiture se refroidit trop vite. Grigori a engagé les meilleurs conducteurs de la région pour acheminer ses barils de carburant. La peau, c'est pour éviter que les fûts s'entrechoquent. S'ils se frottent l'un contre l'autre, l'essence s'en échappera. Ce gasoil, Grigori le destine à son village. Il se trouve à 1250 km de Yakoutsk, au milieu de la taïga. Si Grigori n'arrive pas à livrer à temps, Eik pourrait bien subir une catastrophe. La commune a la particularité d'être entourée de marécages. L'été, ils sont infranchissables. Le village n'est donc accessible en voiture que l'hiver, quand le sol gèle. L'usine, qui distribue le chauffage central aux maisons, ne peut donc être ravitaillée en carburant qu'à cette période. Et les réserves de l'année dernière s'épuisent. Si l'usine s'arrête, tout le réseau d'eau explosera sous l'effet du gel. Un désastre pour les 400 habitants. Grigori transporte aussi tout ce qui manque à la population. Un gars de Eik nous a appelé hier. Il nous a demandé une chaise pour un bébé de 8 mois. Là-bas, il n'y a pas de magasin de meubles. Mais aussi de l'huile, du thé, des pâtes, tout un tas de denrées et d'objets qui vont permettre aux villageois d'attendre l'arrivée des camions-citernes et de marchandises.
Pour l'instant, ils ne peuvent pas passer. C'est la deuxième mission de Grigori. Ouvrir la route qui guidera les poids lourds. Sur les 1200 km qui le séparent du village de Eik, 500 sont du hors-piste. Ils vont les parcourir sans GPS. Ils sont Evenk. Et avant d'être sédentarisés, ces nomades se déplaçaient avec les étoiles et des petites astuces pour calculer leur temps de voyage. Si tu prépares bien ton véhicule, rien ne t'arrêtera. Tu peux aller jusqu'au bout du monde avec. Par contre, il faut que ce soit moi qui chante. Parce qu'on n'a pas de musique dans la camionnette. Le poste de radio est cassé. Chez nous, tout le monde chante en roulant. Nos ancêtres, les gens du Nord, ils mesuraient les routes en chansons. Ils chantaient ce qu'ils voyaient. Puis ils arrivaient et on leur demandait « Le voyage a duré combien de temps ?» 4 chansons. Ils étaient comme ça avant. Les esprits de nos ancêtres sont toujours présents. Ils m'accompagnent toujours. Ils veillent. Ils m'aident. Et moi, je ne les oublie pas. Seulement ce jour-là, les esprits des ancêtres de Grigori semblent être ailleurs. Cette partie de la région n'a pas encore été totalement pétrifiée par le froid. Une bonne nouvelle? Pas vraiment. Quelques degrés en plus, couplés aux effets néfastes de ce barrage, vont mettre les hommes du convoi dans un sacré pétrin. La vapeur qui s'échappe de cette rivière indique que l'eau est plus chaude que l'air. Et quand le barrage relâche des milliers de litres de cette eau chaude, les conséquences sont dramatiques. ...250 km plus bas, les points de passage sur la rivière gelée commencent à fondre. Le convoi de Grigori est pris au piège. Ah non, c'est pas possible. Mince, l'eau est arrivée jusqu'ici. Eh zut. C'est ce que je craignais. Là, on a un problème. L'eau déferle sur la glace. À cause de cette eau chaude, une voiture est prise dans la glace. Les occupants regagnent la berge in extremis. Devant cette bérésina, certains font demi-tour. Pour ce minibus qui vient de l'autre rive, c'est trop tard. Heureusement pour les voyageurs, la glace a cédé à quelques mètres de la berge. Mais il est quand même enfoncé de 60 cm. Il faut attendre les secours. Les moyens techniques, la grosse artillerie, quoi. C'est comme ça en Russie. Les gens ont besoin de provisions pour vivre. Et actuellement, les villages sur l'autre rive sont coupés du monde. Par moins 40 degrés, impossible de les laisser attendre des heures les secours. Grigori et ses hommes leur donnent un coup de main. Давай, давай, давай.
Une fois au bord de la berge, la force des bras ne suffit plus. Le temps presse. À l'arrêt, le moteur du minibus est en train de geler. Et sans moteur, pas de chauffage. Ce sont des jeunes, ils savent pas faire. On leur a mis un coup de pression et voilà. Tu peux pas survivre ici si tu sais pas faire. Les convoyeurs ont longé la berge. Un peu plus bas, la glace semble être plus épaisse. Ils vont tenter de passer. Reste maintenant à atteindre l'autre rive. Et là, c'est loin d'être gagné. La rivière est parsemée de dizaines de traces de voitures. Autant de fausses pistes qui partent dans tous les sens. Je fais le tour. Je cherche. Quelque part par là, peut-être. Regarde les bords du rivage, de l'autre côté. Comme tout est blanc, Grigori ne sait jamais s'il se trouve sur la rivière ou sur la terre. Les hommes peuvent tourner en rond pendant des heures, augmentant le risque de passer au travers de cette glace fragilisée. On fait un détour, en fait. Ça, c'est la route où on a traversé. Mince, là, je suis perdu. Allô ? Allô ? Allez, on y va. Heureusement, le conducteur de la camionnette a trouvé le passage. Ah, voilà la route. Elle est là. Maintenant, on part hors piste. Il n'y aura plus aucune route. Devant nous, on a encore des kilomètres et des kilomètres. L'esprit des gens du Nord, c'est une grande volonté. Une aspiration farouche à la survie. Et il vaut mieux. À partir de maintenant, le convoi entre dans un no man's land. 500 km sans aucune piste balisée. C'est à eux de la tracer. Perdus au milieu de nulle part, au moindre problème, personne ne pourra leur venir en aide. Savoir braver le danger, porter haut la valeur courage. Les Yakoutes ont tous été élevés comme ça. Il faut dire que dès leur plus jeune âge, c'est le culte de l'homme fort.
a commencé dans le sport. À Yakoutsk se tient une compétition qui est à l'image de ces surhommes. Le tiré de bâton est une épreuve de force. Ici, dans chaque village, tout le monde pratique ce sport. La règle est extrêmement simple. Il faut arracher le bâton des mains de son adversaire. On s'entraîne depuis le berceau. Le froid nous rend sans doute plus résistants. C'est génétique. Oui, c'est génétique. On a ça dans le sang. Tout comme les conditions de vie en Yakoutie, exigeantes, difficiles, notre sport l'est aussi. C'est un sport très spectaculaire, très extrême. Donc vous êtes extrême? Évidemment, on est toutes comme ça en Yakoutie. Ce jour-là, quelques Européens et des Américains ont osé affronter les compétiteurs du Grand Nord. Aucun n'a remporté de médaille. Les Yakouts seraient les descendants des cavaliers mongols de l'empereur Gengis Khan le Sanguinaire. Selon la légende, ce peuple n'avait peur de rien, même pas de la mort. Grigori et ses conducteurs sont le parfait reflet de ces terribles conquérants. Comme eux, ils n'hésitent pas à aller toujours plus loin. Seule leur mission a changé. Eux portent nourriture et essence aux habitants d'un village coupé du monde, tout près du cercle polaire. La température est maintenant de moins 38 degrés. Dans la camionnette, Nikolaï reste détendu malgré le danger qu'il encourt. C'est très glissant, en fait. La neige est bien tombée, là. Dans le froid, n'importe quel problème mécanique peut nous expédier en enfer. Au pire, si on n'a pas de solution, on fait brûler la voiture pour avoir chaud. Et peut-être que grâce à la fumée, quelqu'un va nous repérer. On peut dire que nous sommes des découvreurs. Nous sommes parmi les premiers à passer ici. L'été, ce ne sont que des marais à perte de vue. En hiver, la neige au sol permet de tracer un chemin. On appelle ça une zimnik. Sinon, il n'y a que l'avion ou l'hélicoptère. Mais si le nombre de passagers est trop faible, tu peux oublier ton avion. Et ça, ce n'est rien encore. Le plus drôle, ce sera plus loin. Sans le courage de Nikolaï, Grigori, Mara et de bien d'autres convoyeurs yakoutes, de nombreux villages cesseraient d'exister. Après deux jours de bosse et autres ornières, la camionnette de Nikolaï montre des signes de faiblesse. Le moteur s'étouffe. Je pense que le filtre s'est bouché. Pour réparer, ils vont devoir éteindre le moteur. C'est l'opération la plus dangereuse. Il fait moins 43 degrés
Ils n'ont que 15 minutes avant qu'ils gèlent. On est en retard. Dans le froid, il faut savoir travailler vite. Sinon, le camion gèle. Et toi avec. Regarde. Ouais, c'est bien le filtre qui est bouché. Après 900 km, il n'y a pas que les machines qui sont épuisées. Mara a pris le volant. Il se relaie avec Grigory toutes les 5 heures. Dans le Grand Nord, un phénomène accentue la fatigue des conducteurs. Au mois de novembre, les journées durent à peine 4 heures. La nuit tombe vers 14 heures. L'arrivée est encore à 300 km. Dormir serait une sage décision, seulement c'est un problème. Comme il laisse tourner les moteurs à l'arrêt pour éviter qu'ils ne gèlent, Grigory craint la panne d'essence. Alors il a décidé de conduire toute la nuit en espérant atteindre le village au petit matin. Si on s'arrête une nuit, on perd 15 à 17 litres environ. Plus on s'arrête, plus on consomme de l'essence pour rien. Quelle est la température la plus basse que tu aies connue sur la route? Moins 67 degrés. C'était impossible de rouler. Déjà à moins 65, l'antigel a gelé. T'imagines? Je me souviens d'une chose marquante. J'ai voulu enlever la batterie avec un tournevis. Mais à moins 67 degrés, le tournevis a cassé. Tu te rends compte? Le métal s'est brisé, quoi. Tout éclatait, littéralement. Nous sommes allés chercher de la viande dans la camionnette pour manger. Nous l'avons fait tomber par terre. La viande a éclaté comme du verre. C'était effrayant. Le froid est un ennemi invisible. Chaque année, il provoque des centaines de morts et de nombreuses amputations. À ces températures, les oreilles et le nez gèlent en quelques minutes. Il faut qu'ils tiennent une nuit entière dans la partie la plus éprouvante de leur voyage. Bercé par un roulis permanent, garder les yeux ouverts est un exploit. Le pari est risqué dans cette nature hostile à l'homme. Mais cette terre n'est pas simplement qu'un immense glaçon. Selon la légende, en survolant la Yakoutie un jour d'hiver, les mains de Dieu auraient gelé, laissant échapper des trésors sur tout le pays. Des trésors, ou plutôt une malédiction pour la nature. Les sols de Yakoutie recèlent de diamants. Pour les extraire, les hommes éventrent la terre. Certaines mines descendent à plus de 500 mètres. Leur diamètre dépasse le kilomètre. Les hommes creusent en surface, mais aussi en sous-sol. Grâce à ces mines, la Russie a ravi la première place à l'Afrique du Sud.
Elle extrait 24% des diamants de la planète. Mais ce n'est pas la seule fortune de la Yakoutie. Elle regorge aussi d'or, de métaux, de pétrole, de gaz, d'uranium et de charbon. Grâce à ces richesses, les salaires des Yakoutes sont presque deux fois plus élevés que les autres régions russes. C'est un monument aux héros du travail. Oleg travaillait pour une mine de diamants. Travailler par moins 55, construire une ville et toutes ces infrastructures, cela paraît impossible. Il n'y a rien d'impossible pour l'homme. Regardez cette ville posée sur le pergélisol. Au départ, c'était un campement. Je vis dans ce pays. Dieu merci qu'ils s'enrichissent. On est tous millionnaires ici. Enfin, quasiment. Si elle donne le sourire à Oleg, toutes ces infrastructures déstabilisent l'écosystème. L'eau qui coule en abondance en Yakoutie commence à être polluée. Exporter toutes ces matières premières arrachées à la terre est complexe pour les Yakoutes. En hiver, les routes qui mènent au port de Yakoutsk sont la plupart du temps fermées. Le seul moyen de l'atteindre est de rouler sur la Léna, le quatrième plus grand fleuve de Russie. Si les voitures se contentent de 35 cm d'épaisseur de glace, les poids lourds, eux, ont besoin des 80 cm atteints en janvier. Entre-temps, ils empruntent un bac. Une tonne, ça passe. Mais moi, je fais 3 tonnes. Ah, voilà le brise-glace qui arrive. On va bientôt charger. Il va nous frayer un chemin. Comparé au brise-glace géant capable de percer une voie dans 3 mètres de banquise, le Borodkin est un petit colosse d'acier. Il enfonce jusqu'à 50 cm de glace. C'est peu, mais assez pour attendre que la Léna soit assez solide pour supporter les poids lourds. Vladimir, le capitaine du bac, est suspendu aux ordres du broyeur de glaçons. Depuis 2 semaines, le brise-glace perce un canal. Il doit passer et repasser chaque jour. Dans 2 heures, il aura fini de tout dégager. Nous attendons son ordre pour charger les camions et nous partirons. Aucun pont n'enjambe cette partie de la Léna. Il y a bien un projet, mais il est en attente. À cause des sols qui gèlent et se dégèlent, sa construction est complexe et coûterait plus d'1 milliard d'euros. En attendant pour les camions, le brise-glace est le seul moyen de rejoindre l'ouest de la Russie ou bien l'Asie. Mais seules les grosses entreprises ont les moyens de l'emprunter. Restez. 1100 euros. Et le retour, 1780 euros. C'est très très cher. L'été, c'est seulement 70 à 80 euros l'aller-retour, mais il n'y a aucun autre moyen de traverser. Impossible. Ou bien, il faut attendre les grands froids du mois de janvier. Les mal-livraisons pour les écoles, c'est pour tout de suite. Il y a un risque que le bac qui n'est pas amarré s'écarte du quai. Dans un cas comme ça, j'ai vu des camions tomber dans l'eau. Le bac se décrochait du quai, et voilà. J'ai vu un camion dont la cabine dépassait à peine de la surface de l'eau, et sa remorque a coulé à pic. On va commencer à lever le pont. Thank you.
Ça y est. Ils sont bien accrochés. Maintenant, je vais en Mandchourie, en Chine. Et de là-bas, je repars à Moscou, chargé d'agrumes. Si les camions sont arrivés à bon port, de leur côté, Grigori et ses convoyeurs n'ont pas réussi l'exploit d'arriver au village au petit matin. Voilà 4 jours qu'ils sont partis, et il leur reste encore une centaine de kilomètres. La fatigue est pesante, mais ils ont trouvé le moyen de se réveiller. Voilà le butin. Il faut le plumer tant qu'il est chaud. J'adore le bouillon de tétra. C'est vraiment très bon. Le tétra est une sorte de pintade volante. J'ai très froid. Effectivement, il fait moins 40. Dans ma région, on chasse tous. À l'époque soviétique, tout le monde avait un emploi. Il y avait des fermes d'État où tout le monde travaillait. Maintenant, ça n'existe plus, tout a fermé. Donc les gens vivent de ce qu'ils savent faire. Et ce qu'ils savent faire, c'est chasser. Le chaos de la route malmène les corps. Nikolaï est à bout de force. Là, les secousses commencent à non plus finir. Ah, ça recommence à me faire mal. Mal au dos, mal au cou. Quand tu roules longtemps et que tu ne dors ni la nuit ni le jour, les yeux et surtout les mains et les bras se fatiguent beaucoup. Et même le café ne peut pas t'aider. Tu le bois, ton cœur s'emballe. Mais 30 km plus tard, tu commences à t'endormir. Le responsable de toutes ces bosses qui tapissent la piste, c'est le pergélisol. Une terre gelée jusqu'à 1000 mètres de profondeur. C'est une terre vivante qui bouge en fonction des saisons. C'est le pergélisol qui a fondu en surface. Puis, il a gelé de nouveau. Et sous la poussée de la glace, la terre ressort par endroits. Et ça nous donne des routes bien cabossées. Le pergélisol empêche de construire les routes. Même le béton ne résiste pas à ce phénomène. Après 96 heures de conduite non-stop, Nikolaï s'endort au volant. Il faut dire qu'il n'a pas de copilote. Moi, je n'ai pas de partenaire. Je suis tout seul. Je suis obligé de me débrouiller. Se réveiller, il a une technique imparable. Le choc thermique.
et les plutôt violents. Il y a 65 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur de sa cabine. Trois heures plus tard, des lumières émergent de la nuit. Eik, on a mis 4 jours depuis Yakoutsk. On est plutôt chanceux. Je suis heureux. Je suis enfin chez moi. Nous voilà enfin à Eik. Je vous présente mon camarade d'école. Avec ses barils d'essence, la chaufferie peut continuer de fournir du chauffage central en attendant que la route soit ouverte aux camions citernes. Avant d'aller se reposer, Grigori a une dernière livraison à faire. Une chaise haute pour la petite Oulia. Elle est contente d'avoir une chaise aussi chouette. Et tu peux dire merci. Merci. Merci beaucoup. Il fait nuit, mais au final, il n'est pas si tard. Il est 14 heures. Le frère d'Oulia retourne à l'école. Il est en CP. Les CP ne vont pas à l'école quand il fait moins 45 degrés. On leur donne des devoirs à faire et ils étudient à la maison. Mais par moins 40, il n'y a pas de souci. L'école accueille près de 150 élèves, du CP jusqu'au collège. Mais vivre à Eik n'est pas sans danger. Les enfants ont des règles importantes à respecter. Au printemps, par exemple, on leur dit de ne pas aller en forêt. L'ours sort tout juste d'hibernation. Même si les enfants sont prudents, les parents les accompagnent à l'école. Une fois, les loups ont attaqué les chevaux à l'intérieur du village. Dans les villages isolés du Grand Nord, à cause du froid, aucune agriculture n'est possible. Tout juste un peu d'élevage de chevaux et quelques vaches. Leurs revenus, les habitants les tirent des bêtes qu'ils chassent. Peaux et viande sont ensuite revendus en ville. On tire le renne, le loup, la zibline. Ça, c'est du bon renne. Un renne comme ça, ça nourrira une famille pendant combien de temps? 15 jours. Parce qu'on mange de la viande tout le temps. Matin, midi et soir, tout le temps de la viande. On vit de ce que la nature nous offre. Quasiment de la même manière que nos ancêtres. Si le renne disparaît, ça sera très dur. Et en ce moment, les rennes se font rares. Avec le réchauffement climatique, les lichens dont ils se nourrissent disparaissent. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a 4 ans, une mine de diamants est entrée en activité à seulement 150 km du village. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. En ce moment,
Nous avons un gros problème. L'eau devient polluée. L'eau qui est la source de la vie. On coupe la branche sur laquelle tout le monde est assis. La mission de Grigori n'est pas terminée. Maintenant, il lui faut tracer la route sur des centaines de kilomètres, au milieu des marécages gelés et de la forêt, afin que les camions-citernes puissent venir ravitailler la chaufferie du village. C'est Grigori qui a poussé la communauté à acheter ce bulldozer. Avant, j'étais juste un simple conducteur. Je roulais beaucoup dans la neige. Et comme je trouvais que les routes étaient mal faites, j'ai commencé à les faire moi-même. Petit à petit, la route devient lisse. Enfin, disons relativement lisse. Il suffit d'une tempête de neige et toute la route sera recouverte en une journée. Il faudra de nouveau tout dégager. La Yakoutie est une terre de contraste. Dans quelques mois, la neige aura disparu, réchauffée par 30 degrés au soleil. L'eau des marais coulera à nouveau, rendant le village de Eik inaccessible jusqu'au retour de l'hiver.